C'est YouTube. On est sur l'île 3. Je me souviens plus. J'ai envie d'aller dans l'hôtel. Je vais dans la mêlée royale. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est l'abeille! Putain, l'animation, elle est trop folle. Oi, oi, oi! Monsieur le policier! Arrêtez tout! Oh, je me suis fait policed. Je suis assis au jeu. Vous avez remarqué ou pas? Il y a trois phases. La dernière est la plus longue. Mais la phase du policier, elle est vénère là déjà. Et j'ai pas remis mon shotgun. Ça, c'est un peu chiant. Ok, tire dans le bon sens pour voir. En vrai. Phase du policier faite. Au revoir le policier. Et maintenant, la phase de l'abeille. Hein ? Ah ! Ça suit ! Pardon, excusez-moi, c'est infernal. On peut arrêter. On peut arrêter le jeu tout de suite, là. Putain, là, si j'avais le shotgun, là, est-ce qu'elle se prendrait en dégâts ? C'est quoi, ça ? Et ça pop sur moi ? Mais au secours ! Non, mais il y a un moment, faut se calmer, quoi. C'est fini ? Elle était mécanique depuis le début ! Personne nous l'a dit. Aïe. On n'était pas loin, en vrai. Juste retourner la carte pour remettre le... le shotgun. Bon, l'abeille est bidon, en vrai. Par rapport au dragon, vous voyez, l'abeille, elle est ok. Bon, sauf si je suis à chier, mais ça... seul l'avenir nous le dira, quoi. Bon, ça, j'ai vraiment été pris dans un coin, là, c'est dommage. OMG, c'est dommage. Assez dommage, assez dommage. C'était la dernière fois. J'ai loupé. Je pensais pouvoir sauter assez haut, mais en fait, pas du tout. Aïe. Je suis au jeu. Dommage. Mais du coup, elle peut alterner ces deux phases. Trop marrant. Si elle pouvait alterner le policier aussi, ça nous... Je suis chier au jeu. Je suis en train de faire nimp. Hein. Si jamais vous posez la question, sachez que je fais nimp. Hein. Ok. Adieu, le policier. Le policier véreux. Ça dégage. Aïe! Je me suis fait U. Comme les magasins. Mais c'était pas les magasins U en fait. C'était un peu... J'ai un peu abusé. Ok, j'ai vraiment abusé. Et je comprends pas la différence entre SAP1 et SAP2. Enfin, SAP2 et SAP3. Au secours. Pa, 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 pa. Bon, en vrai, ça va. Il est pas... C'est pas un boss très dur, celui-là.
Même si globalement, les trucs qui défilent, c'est un peu plus vénère que le reste. Ok. Adieu mon gars, adieu mon gars, adieu mon gars. En vrai, les trucs qui popent sur toi, ça devrait être interdit. Mais ça devrait être interdit! Par la loi! Je le mets cher en vrai. Elle est où l'abeille? Ah là, elle passe en P3. MG, c'est un avion! Aïe. J'étais trop bas. Je l'avais quasiment fumé. Ok. C'est un avion abeille! Alors, des fois. Ok. Je me suis vraiment pris de ça. Je vais tout casser. Okay. Ça, c'est bien, ça. Ça permet de vraiment la défoncer. Donc ça, c'est très agréable, là, ce qui est en train de se passer. Actuellement en pleine agréabilité, là. C'est un peu chiant, ça. Quoi ? Il y a des trucs qui me touchent, mais on sait pas ce que c'est, donc c'est énorme. J'adore. Trop content. Je suis trop content de le savoir. Quand ça me touche là et que je sais pas ce que c'est là. Miam. Miam en vrai là. Gros miam en vrai. J'ai pas sauté. Je tiens à m'excuser. C'est un peu plus dur les boss là quand même. Je sais pas si c'est ceux qui sont vraiment plus durs ou si vraiment que j'ai plus l'habitude. Probablement un mix des deux. Je pense qu'il y a un vieux qui va popper. Ouais. Très bien. J'ai pas pris cher. Let's go en vrai. C'est chiant. Pas de chance. On a pas de chance sur les patterns. OMG. OMG, je suis mort. C'est quoi ces patterns de dalle là? Vous vous rendez compte à quel point c'est de la merde ou pas? J'ai vraiment craqué un super là-dessus. Quoi ? En fait, cette dernière phase, elle est trop dure. Je retire ce que j'ai dit, c'est trop dur. Je tiens à revenir sur mes propos. Elle est bizarre, cette dernière phase, elle est un peu bizarre. Est-ce une abeille ? Est-ce un avion ? Un peu des deux, et c'est un peu chiant parce qu'elle est en bas. Parce que la tirer vers le bas, c'est dur. Surtout quand t'as un scrolling vers le haut. On peut mourir le policier, voilà, merci. Vraiment! Je vais tout casser quand la plateforme elle marche pas là.
Dans quel sens? Ok, ça va être chiant. Est-ce que ça va vraiment être chiant? Je sais pas. Je pense que c'est plutôt ok là. Putain, j'ai vraiment des patterns de dalles qui sont à chier. Hein. C'est dur. Je vais vous mentir de dire que ça l'est pas parce que ça l'est, putain. Je pense vraiment qu'elle était pas loin de mourir. Ouais, il lui manquait quand même pas mal. Ok. En vrai, c'est faisable. Si elle commence toujours par ces deux... Ok, j'ai compris, c'est ma faute. J'ai sauté en dessous de la plateforme au lieu de passer à celle du dessus. Elle est dure un peu, hein. De toute façon, là, on commence à rentrer un peu dans les boss durs. On arrive dans... Enfin, on est dans la dernière île. Après, il me semble qu'il y en a plus que ça, non? Parce qu'à la fin, là, il y a vraiment une fin. Il y a peut-être que le casino à la fin, je me souviens plus. Impossible. Impossible de prendre une face sur le policier. J'ai fait ça. Des fois, je passe à la plateforme du dessous au lieu de passer à la plateforme du dessus. Je fais pas exprès, mais c'est ma faute, mais je fais pas exprès. Vraiment, les gens qui vont au travail, là, c'est chiant. Les petites abeilles, là. Arrêtez d'aller au travail. Ça fait 10 minutes qu'on est sur le boss. Je vais être crevé. 10 minutes de trop, si vous voulez mon avis, mais... Enfin, bref. Elle a pété d'où? Je l'ai pas vu. Et là, c'est bon, on l'a bien entamé. Parfait. En fait, il la met en dehors de l'écran, ce bâtard. C'est pas très sympa. Quoi? Va être tout cassé. Putain, j'ai pas de chance sur les plateformes. J'ai pas de chance là-dessus non plus, en vrai. Voilà, zéro chance sur les plateformes, là. Je suis vraiment en train de faire ça. Ok. Je pensais pas la toucher. C'est dommage qu'il me fasse plus la phase des abeilles canons, là. Parce que c'est vraiment la phase où on lui met le plus de dégâts. C'est trop fort. Ah! Je me fais raid sur l'abeille. Merci beaucoup, Evic. Pour le raid. Bienvenue à vous. Je suis Dr. Bébert. On est sur Cuphead. Spoiler. Les abeilles, c'est méchant. Je suis mort. Je suis fait toucher. Merci beaucoup. Bienvenue. Installez-vous. Vous faisiez quoi? Vous étiez sur quoi? Qu'est-ce que vous faisiez chez Vic? Dites-moi tout. Enfin, sauf si... Si je meurs. Terminer le stream sur Rayman Legend. Trop bien, Rayman Legend. Trop bien. Banger, Rayman Legend. Un des rares jeux de la Wii U. Bon, il est sorti après sur d'autres trucs, mais à la base, il était que sur Wii U. Un des rares jeux pour lesquels j'étais content d'avoir une Wii U. Ah, voilà. Tu vois, quand tu veux. T'arrêtes d'être chiant et tu fais les bons patterns. Bon, là, c'est pas les bons patterns. Mais tranquille. T'en veux pas, mais... Mais arrête un peu, quand même. Au secours. Ça dégoûte parce que... Mais est-ce qu'il va mettre l'autre? Ok, c'est bon.
J'arrive, hein, vous inquiétez pas. J'ai quelques petits problèmes de... d'abeilles. Mais je vous jure que j'arrive. C'est trop dur. Trop dur! Niveau musicaux, banger. C'est vrai que les niveaux musicaux dans Rayman Legends, c'est vraiment le truc trop bien. Et mes yeux vaut plus rien, t'inquiète, moi non plus. Hein. Ça fait combien de temps qu'on est sur le jeu? Ça fait quasi 3 heures, mine de rien. Ça fait 2 heures et demie en vrai. Aïe, putain. En fait, c'est un jeu là qui demande tellement de d'être tout le temps aux aguets que je vous avoue que putain, demander autant d'attention sur 2 heures là. C'est-à-dire qu'il faut que je regarde partout dans l'écran si un truc veut pas me buter. Oh, c'est trop dur. T'inquiète, Evic. Hein. Je peux pas t'en vouloir sur les fautes d'orthographe. Je suis le premier à en faire 15 à la douzaine. Ça fait qu'il la met autant à gauche. J'ai jumpé en dessous de la plateforme. On va y arriver, hein. On va arriver au bout de l'abeille. J'y crois fort. Mais en vrai, l'avion, c'est trop dur, là. Comment on fait pour battre l'avion? Parce que le problème, c'est qu'elle est en dessous. Taper en dessous, c'est trop dur. Donc ce que je propose, c'est qu'on arrête tout. Pourquoi je parle de basket, je vais pas si longtemps partie du jeu que je vais prendre pour les soldes des Steam. Ah, je te le conseille, très très bien. Hein. Bah, du coup je l'avais fait à la sortie du jeu, bah il y a... Je crois qu'il est sorti en 2017. Je l'avais fait à ce moment. Je me suis vraiment fait toucher. Bah let's go en vrai. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Hein. Apparemment c'est banger. Ouais, je l'avais fait en 2017. Je l'ai pas refait depuis, du coup comme il y a le DLC qui sort jeudi, je me suis dit que ça faisait l'occasion. C'est un enfer ce boss. Il y a tellement de trucs qui peuvent nous toucher en fait. Je me rendais pas compte, je pensais que ça allait être facile mais... Après c'est dur mais c'est moins frustrant que le dragon d'avant. On va pas se mentir, le dragon c'est vraiment le pire boss du jeu je pense. Ok. Y'a pas un petit vieux là qui va venir? DLC qui sort, nice timing pour le prendre. Plutôt nice timing, ouais. Plutôt très nice timing. Ouais, DLC jeudi qui va rajouter un nouveau personnage. Et une nouvelle zone avec plein de boss et tout. Donc ça va être assez cool. On aime le jeu. Et je me prends des trucs qui sont hors map, donc c'est énorme. Que du kiff là actuellement. En fait, les missiles sont hors map et se téléchargent pas. Enfin, on peut être hors map, ils peuvent encore me toucher si je saute trop. C'est vraiment énorme. Elle était pas si dure que ça dans mes souvenirs, l'abeille. Je sais pas pourquoi je galère. Je l'ai fumé en deux cycles. La vie de rêve. On démarre par ça, y a pas de soucis, bro. Y a un peu des soucis quand même. Quest, c'est très bien passé. Je suis vraiment en train de la maltraiter, donc j'adore ça en vrai. Je suis en pure maltraitance d'abeille. Le répétez pas. Je vais avoir des problèmes. Ok, let's go. Vous avez vu le super qui a servi à rien là? Trop bien ouais. C'est pas le bon bouton. Excusez-moi, je me trompe de bouton. J'arrête pas de me tromper de bouton. Je me trompe de bouton tout le temps. Au secours. Venez, je sais jouer au jeu. Je vous jure. Mais en vrai, il a que deux... Oh, mais non, mais ça hitbox de mort. Ok. On va y arriver, hein.
Je pense que je vais me mettre plus haut et tirer avec ça. On va garder le shotgun pour la phase 2. Mais pour l'avion, on va virer le shotgun, je pense. On est pas loin, hein. Putain, c'était trop dur à éviter, ça. En vrai, la RNG des plateformes, elle peut casser les couilles, hein. On va pas se mentir. Ça peut ruiner la RNG des plateformes. Voilà. Ça peut ruiner des vies. Une fois qu'on le sait, ça va. Là, je me suis fait toucher, donc j'ai la mort. Mais je vais quand même continuer parce que l'adversité ne mourra pas comme ça. C'est dur, ça. C'est dur parce qu'il reste longtemps. Voilà. Allez, c'est mort. C'est trop dur! J'ai fait nimple, hein. Je rêve ou j'ai fait nimple? C'était chiant, il n'y a pas de plateforme! J'ai vraiment fait ça? C'est exceptionnel en vrai. J'ai évité toutes les plateformes en sautant. C'est incroyable ça. Je commence à fatiguer aussi, je vais pas vous mentir. Ça n'aide pas. C'est un peu une excuse de sac. Mais c'est un peu la vérité. Mal ça. Ok, on est pas mal. Mets-toi au milieu, merci. Ok, donc là c'est gratos normalement. Normalement c'est masse de dégâts là. C'est masse de dégâts pour Micheline, là. C'est horrible. Je sais pas où je suis. C'est trop dur. J'ai gagné. Trop dur, l'abeille. Tubez-moi! J'ai gagné. Merci, merci Vic. Je suis peut-être B-moi, mais j'ai gagné. Poète, poète. Oh la pirate! Vous avez besoin de conseils pour jeter ces minables à la baille. Commencez par varier vos armes. Faut pas croire que vos armes marcheront sur les mêmes ennemis. Faut varier, marin d'eau douce. Merci. Merci beaucoup du conseil. Ça me touche. En parlant de marin. À l'abordage. Ah, c'est vrai que c'est lui qu'il faut taper. C'était compliqué ça. C'était très compliqué ça. Ok. P2. Le requin! Impossible. Quoi? Une baleine! Quoi? Quoi? Et il m'a jeté un boulet, ok. En vrai, ça s'est plutôt bien passé.
Merci Evic. Des bisous, merci encore beaucoup pour le raid. Et puis à plus. À plus, ça. Plus dans le bus, quoi. Ce que je disais, si je conduisais un bus, par exemple. Je conduis pas de bus, du coup. Il est plus simple que l'abeille, lui, quand même. Hein. Je vois qu'il a moins de variations, en fait. Je sais pas s'il est plus simple, mais il a moins de variations. Il appelle son pote. Le requin. Je défonce comme ça. Oh non, pas le poulpe! Je sais pas ce qu'il fait. Ok, il jette de l'encre, ça va. Il est gratos. Ah! Putain, il va vite. C'est dur, non? Il y a beaucoup de trucs qui me viennent à la gueule, là, non, quand même? Aïe! Certains diraient trop. Non, pas l'encre. J'ai gagné? Je m'étais pris de l'encre. Aïe! Putain, je suis retombé et j'ai bouffé ça, quoi. C'est dur en vrai. Hein. Il y a une P2? Une P18, apparemment. C'est quoi ça? Ok, la dernière partie vraiment vénère. Putain, il est long ce boss. Un Nipopeye. Ouais, et en fait, il fait une Nipopeye. Hein. Je suis en train de me le dire aussi. Le boss est pas très dur, mais putain, qu'est-ce qu'il est long. Je pense pour la dernière phase, faut que je mette... C'est à quel moment qu'il commence à cracher des boulets? Encore. Peut-être là. Ça. Putain, oh, le timing parfait. Entre le boulet et tous les autres trucs chiants. Aïe. Je vois rien. Je suis un peu perdu, je vois rien. Ok, très bien. C'est impossible. Pas du tout. On va se mettre ça pour la dernière phase. Je sais pas s'il faut pas se mettre ça tout du long en fait. Là. Je vais lui faire un truc comme ça. Hein. Genre au moins je le touche tout le temps quoi. J'ai juste à faire attention à... Où j'évite. Ah.
J'ai quand même l'impression que ça va plus vite, hein. Aïe! Prends le poulpe là, calme-toi. Ok. P8. Oh la vache, c'est trop bien ça. Bah n'hésitez pas. Pensez que c'est possible d'éviter les boules ou pas? Je pense que c'est impossible. Je pense qu'il y en a à essayer, c'est impossible. En vrai, c'est ultra dur d'éviter les boules de faim. Et siffle là. Ah non! Oh, c'est un enfer. C'est en train de se passer, c'est un enfer. Dommage. Il y a beaucoup de projectiles à éviter, c'est chiant. Spoiler. Il va faire ça. En fait, j'essaie de passer par dessous depuis tout à l'heure. Ah, let's go. Je savais pas qu'il faisait ça. Au final, ça va. La dernière fois, ça avait pas dur. Ça va quand même plus vite avec le missile à la tête chercheuse, quoi. C'est moins de dégâts, mais comme je le touche tout le temps. Papa, papa, papa. C'est quoi? Je l'ai même pas vu arriver. On file un peu parce qu'il devrait pas tarder à lâcher les boulets là. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Là. L'encre, c'est plus ça va, plus tu vois rien. Let's go. On peut mourir, merci. Dommage, j'ai tiré dans le mauvais sens. T'es gagné! Ouh! Je suis B-. Je suis B-, mais j'ai gagné, donc ça va. Le capitaine Barbe d'écume. Merci, Nirla. C'est énormément de travail. Venez, on se fait un petit niveau de plateforme pour se régaler. Je m'en souviens pas. Est-ce que j'aurais préféré ne pas m'en souvenir? Peut-être.
tout cas, ça régale, hein. Le petit niveau de plateforme qui régale, là. Pourquoi il tire plus large? N'a aucun sens! Je suis dessus. I'm on it, boys. Ah! Bonjour, est-ce une bonne idée de game design? Non. D'autres questions? C'est un enfer! Qui a designé ce homard? Et s'est dit? C'est une idée de dingue. Qui a fait ça? C'est dur. J'aimerais que le homard revienne. Il reviendra pas, hein. Faut vous mentir, je pense pas qu'on le one-shot. Ok. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, faut le taper de manière constante. Yo Echo! C'est le homard Sharif, c'est le homard chiant. Une autre plateforme très cool comparé aux autres. Ouais. À part les homards, ouais, ça va. Il y a moins de pièges un peu dégueulasses en vrai. Il y a un peu plus d'idées de plateforme pure, quoi. Mais ouais, il est un peu marrant celui-là au moins. Bon, par contre, ce qui est pas marrant, c'est que lui, il va pas mourir. Faut que je mets l'intro sinon il va repouper. Bon, ça va, quoi. C'est un petit jeu indé aujourd'hui. Que personne ne connaît. C'est sorti il y a pas longtemps, là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui doit être en train de le refaire en ce moment à cause du DLC qui sort. Il est mort, Jacob? Ouais, il est mort, mais il est mort il y a un moment. Enfin, ouais, il est mort samedi, quoi. Il a tué Jacob. Désolé. Désolé à tous les stans de Jacob. N'a pas survécu. Jacob et Emma sont morts. Ryan. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont morts pour leur patrie. J'ai loupé ça. Probablement peut-être un ours. C'était un ours en vrai. En tout cas, c'était pas moi, ça c'est sûr. Hein. Moi, oser tuer Jacob? Jamais je ferais ça, moi. C'est mon perso préféré, c'est impossible que je le tue. Enfin, je sais pas, ça me paraît évident, mais... Ouais, t'as probablement loupé le meilleur live de l'année, Echo, mais bon, tant pis, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, hein. Oh, c'est dur. C'est dur, sa mère! Qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez, mais qu'est-ce qu'il faut faire, là? Jacob le bro, non mais laissez Jacob tranquille, il aura pas d'emote, il aura rien. Il aura exactement comme il a vécu, que dalle, de la misère. Je pense que Jacob aurait été motivé sur le physique de bébé après séance de sport. Oh non, non. J'ai rien à voir avec Jacob, moi, laissez-moi tranquille. Laissez Jacob tranquille. C'est très cool The Quarry, hein, en vrai. Après, en y réfléchissant, je pense que je préfère Until Dawn. Until Dawn, je pense que c'est mieux. Enfin, pour moi, je trouve que je préfère Until Dawn. The Quarry, c'est très très bien. Très très cool, bien sûr. Je vais rester sur le crabe. Le crabe maga.
L'info closer. L'info closer reste une info. Hein. Il est mort ? Donc non, il est pas mort, il était juste disparu. Peut mourir le crabe, c'est chiant. Oh, merci. Quoi? Il était en. Bah, c'est peut-être une éponge derrière le crabe. J'allais tout. Dans tous les cas, j'allais tout casser. Tellement c'est de la merde. Mais comment on reste sur la. Parce que je la tue en fait. Il faut juste éviter. En fait, c'est moi qui la tue depuis tout à l'heure. Je viens de. Quoi ? Je comprends pas. Je suis désolé, je comprends pas. J'ai l'impression d'être débile. Je veux tout arrêter. C'est chiant. Je suis triggered, j'arrive plus à avancer. J'arrive plus à avancer. C'est chiant. Pourquoi je veux de mort en fait? C'est quoi ce niveau de mort surtout? On s'amusait bien avant là, on était dans une ruche. On était sur un bateau. On voyait du pays. Et d'un seul coup, tout a décidé d'être chiant. Il y a un truc que je comprends pas avec la. Avec la pieuf probablement, mais. J'essaierai de comprendre d'ici 2030. T'as le homard, il est casse-couille, là. Pourquoi il veut pas mourir, le homard? Voilà. Le homard meurt. Voilà. Banger la musique par contre. Hein. Ah ok, je crois que j'ai compris. C'est trop dur. J'ai compris, mais c'est trop dur, du coup, je pense pas avoir compris. C'est trop dur. Mais c'est trop dur. Arrêtez tout. C'est impossible. J'ai envie d'aller vite parce que le début du niveau me saoule maintenant. Attendez qu'on l'a bien fait 15 fois. J'arrive à rien. Mais le poisson. Vous pensez qu'on va y arriver ou pas? Moi je pense pas. Tirer sur les crevettes quand t'es sur le poulpe, sinon trop galère. Ouais, c'est ce que je me pensais. Mais en fait, j'avais commencé à arrêter de faire ça parce que je pensais que je faisais des dégâts au poulpe en fait, avec mes trucs. Avec mes missiles tête chercheuse. Mais en fait, je pense pas. Mais oui, il faut faire des dégâts au poulpe qui sautent, sinon c'est un enfer. Ah, mais du coup, il me faudrait pas cette arme, il me faut le shotgun.
On va voir. Je vais rester avec cette arme. Si je meurs, je prendrai le shotgun et ça ira plus vite. Je vais essayer de tracer là. Je pense que c'est rentable en vrai. Voilà. Ok. Oh, je suis juste. C'est dur quand même. Même en le sachant, c'est dur. Hein. J'arrive à bon port. Ok. Ok. Dites-moi que j'ai eu toutes les pièces. C'est bon. On est pas mal. Hein. Cuphead. On va faire le dernier mausolée tant qu'on y est, on est à côté. Quitte à faire les trucs chiants, autant se lancer dedans. N'est-ce pas? Faut pas se louper là. Hein. C'est extrêmement difficile. Les timings sont ce que j'appellerais giga serré. Mais j'ai gagné quand même. Heureusement que vous passiez par là, Satan et Fantôme ont bien failli m'avoir. Voici le dernier super pouvoir que j'ai déniché pour vous. Ouais, il faut que j'aille me refaire une beauté, bonne chance. GG de ouf, merci. C'était dur en vrai, enfin les timings étaient serrés. Hein. Combien de super? Il m'en reste un? Non, on a tous les super pouvoirs. Dirigez votre esprit et votre corps pour en ficher un maximum de dégâts. Fantôme géant. En vrai, moi j'aime bien le premier. Il semble que c'est toujours celui que j'utilisais aussi. Non. Enfin, sauf quand les ennemis sont haut, en bas, à gauche, à droite, là. Là, c'est chiant, mais sinon... Coffé, charge de super auto. Okay. On va prendre tous les tirs. J'ai plus rien. Je veux ce skill, je me dis que c'est pour ça que je renouvelle mon abo tous les mois. Oh, de rien, ça fait plaisir. C'est vrai que des fois au milieu de deux conneries, il y a un peu de skill sur ce stream. On a tendance à l'oublier, mais j'avoue. Merci, merci beaucoup. C'est offrant les amis. Il y a les gens de rang A et puis il y a tous les autres. Pour le moment, vous appartenez à la deuxième catégorie, ce qui signifie que vous n'avez pas ma perspicacité. Je te déteste, bro. Il dit que je suis pas de rang A. Bon chat, bon rat. Ah, il est trop bien ce boss. Enfin, visuellement, il est trop bien. Je me souviens plus, il est trop bien de tout le reste. Mais visuellement, il est ouf. Aïe. Ta-da-ta-ta-ta. Elle est longue sa première phase quand même. Peut-être falloir arrêter. Voilà. Suffisait de demander.
Ou qu'est-ce qui se passe? Ok. Je commence à comprendre. Ok. C'est un peu de la merde, sa phase 2. I understood. Le gros chat! La patoune, attention! Oh, j'ai arrêté d'appuyer sur la manette. Ouais, il est facile, le boss. Mais par contre, il faut que je remette le shotgun. Je suis pas mort. Non mais ils meurent pas, ils sont assommés les ennemis quand on les finit. Vous allez voir, ils meurent jamais. Ils sont toujours sonnés. What the fuck, c'est quoi ça? Je me suis fait toucher. Il l'avait pas fait tout à l'heure. Ok, très bien. Vas-y, je meurs. Ça m'a surpris parce qu'il avait pas fait ce pattern tout à l'heure. J'étais en train de me dire, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça on aime. Ça c'est les patterns qu'on connaît, ça. Ça on en veut, les bombes. Les bombes c'est quand tu veux le jeu. Putain, trop tôt. Parce que j'ai dit que la paire était facile. C'est probablement ça en vrai. Je me suis fait karmated. J'ai eu énormément de chance au niveau des sticks tout à l'heure. Des pogo sticks tout à l'heure, là j'en ai moins. Ok. Boum le chat! Miaou! Il fait miaou le chat. Non! Le chat, il fait moins. Hein. C'est dur, en vrai. Dégage le... Ah, dégage, parce que c'est chiant. Ok. S'il pouvait mourir, ce serait bien, en vrai. Voilà. Ah, en fait, c'était pas un vrai chat, il y avait le rat dedans. Comment on s'est fait bananed? C'est giga fait bananed. Moi j'y croyais pas. Hein. Briscard Gerbil. On va défoncer. Tu faisais ouf, ce serait pas un chat. J'avoue. Ce serait genre un chien par exemple, tu penses? Par exemple? Oh, l'autre level de plateforme. Let's go! J'adore la plateforme dans le jeu, c'est faux. Effectivement. Jeu de plateforme, t'as pas des ennemis avec un boomerang, t'as raté ta vie. On va faire pareil, on va prendre ça en vrai. C'est chiant. Ah, d'accord. Je peux pas mourir? Merci. Y'a les ennemis qui pop hors de l'écran pour venir te fumer. Je sais pas s'il y a pire dans un jeu. Pourquoi j'essaie de le battre? Pour aucune raison valable. Bon, je me souviens. Oh, I do not remember this. Mais oui, c'est clair. C'est totalement clair. C'est limpide même.
Oh, y'a un gros! J'ai loupé des pièces? Je crois pas. Si j'ai loupé des pièces, de toute façon, je vais pas réussir le level, donc. Ça va résoudre le problème. Du level est plus dur que la fin pour le moment. Oh non, c'est vrai que c'est ça la fin. De ça. Je me souviens que j'ai envie de crever à chaque fois que j'y repense. Okay. Je sais pas où je dash, du coup, j'essaie de piffer à peu près mes sauts à chaque fois. C'est dur. C'est dur, mais pas assez dur pour moi, apparemment. Bon, la first try, mais est-ce que j'ai récupéré toutes les pièces? J'en ai pas que 4. C'est bon. Ta-da-ta! Bon, j'ai peut-être des scores de merde. Mais j'ai les pièces. L'entre de Monsieur Quinn. Donne l'aiguisoire. Donne le cœur. Ah, c'est plus le double cœur. On aura tout acheté quasiment. C'est sûr qu'on n'utilise rien. On va juste se refaire ça. Il nous reste quoi en gros dans le monde 4 là? Il reste 4 boss. Ah, The Wolfgang! Il faut toujours 10 notes pour en exprimer 2. Il comprend rien à ma philosophie, du moins. C'est plus. Je sais que vous êtes d'accord avec moi. Allez convaincre cette horloge aux oreilles de fer. Il refuse de m'écouter. Ok. Panique mécanique. Je me souviens plus de ce boss. Oh, let's go. Ah si, je me souviens. Il est horrible. Je me souviens qu'il est horrible, c'est bon. Mais tue-moi, voilà. En vrai, le fonctionnement du boss est marrant, mais il est assez horrible. Je me suis fait toucher. Faut que je me souvienne des points à toucher. Il y a ça. Ok. En vrai, la trappe à foutre en bas, c'est le truc le plus chiant. Voilà. Non, il arrête. Le cœur. Je me suis tout pris dans la boule. Petit à petit, ça commence à revenir, mais... Mais enfin! J'arrive pas à parer. Lightbox de parade. Toujours à l'ouest. On va faire ça en vrai. Ça, là, je le tabasse. Thank you.
Ok. Il y a un aimant. Ça sert à quoi? Je sais pas. Ah! Faut arrêter. Ça me tape quand il passe. Il semblait que ça durait pas 1000 ans, ça. Je me trompe peut-être après. Hein. C'est un enfer? On peut arrêter? J'y vais! Et elle a arrêté. C'est un mélange de Docteur Robotnik et du Docteur dans Megaman. Arrête un peu de rigoler là. Y'a rien de drôle là-dedans. Putain, c'est face de l'infini là. Je me suis fait toucher! C'est loose. Je me suis refait toucher! Je sais pas pourquoi. C'est loose. Ah, j'ai gagné. C'est peut-être pas loose du coup. J'ai même pas utilisé le super, je pensais qu'il avait une phase encore après ça en fait. Mais il était juste bidon. Cuphead ! Le robot du Dr. Cal. Je m'en suis occupé, bro. Ah, c'est Wolfgang ! Toujours Dinot. Non, ok, c'est toujours pareil. Très bien. Merci Nirla. Alors Ludwig vous a bassiné avec ses histoires du moins c'est plus. Si vous l'écoutez, vos oreilles seront irrémédiablement endommagées. Je vous aurais prévenu. Et du coup, faut pas arrêter de faire la bascule entre l'un et l'autre, non? Mais Wolfgang vous a mis en garde contre moi, pas vrai? Je m'en doutais, il a eu raison. Rares sont ceux qui me coûtent avec plaisir. Ok, je leur parle. Qu'est-ce que je vous avais dit au sujet de ce clown minimaliste? Moi, c'est plus, bah... Ok. Vous êtes revenu, je m'y attendais. Je vois que vous savez apprécier l'art, le vrai. Contemplez mon chef-d'œuvre minimaliste. Vous avez prévenu, c'est abominable, hein? Rétablissant la musique avant que nos tympans n'explosent. Ah, du coup, je change la musique du level à chaque fois. Revenu, je m'y attendais. Ok, il change la... Juste, il change la musique du level, très bien. On va au théâtre? Ça vous dit? Oh, je me souviens de ce boss. C'est un peu un enfer. Il a un cœur. Je refuse de me faire toucher, je me suis fait toucher. Je me fais bébède. Le nombre de trucs à éviter là. Oh, c'est horrible. Ok. C'est bon? C'est pas bon. C'est bon.
Montre-moi ta P2, je te dirai qui tu es. Aïe! C'est horrible. En fait, comment tu évites? Tu peux pas? Juste faut prier pour que ça passe? C'est trop dur, il y a trop de trucs à l'écran. Les petites voitures là, c'est trop dur. Oh putain, elle me tombe dessus quoi. Je veux voir si c'était rentable de la taper avec le shotgun. Oh le bébé là! Je me prends des coups de biberon. Bon, c'est un peu dur en vrai. Hein. Ça va, tranquille, les... J'ai l'impression qu'elle... qu'elle en veut un peu à ma vie. Tellement de trucs à éviter. Ok. Finito la P2. Pas finito ça par contre. MG c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le retour des éclairs. Buzz l'éclair. C'est le grand final. Ah! Je me fais tapis. Aïe, c'est trop dur. En vrai, j'aurais l'autre arme. Ce serait obvious. Et qu'il pense serait déjà fini. Mais ce n'est pas le cas. Mais je suis un génie, donc ça va. Oh la vache. Babette des scènes. Elle est dead. Dead Babette. Attendez, mais il y a un truc en bas là. On n'y a pas été. Comment on y va? On n'a pas du tout été là-bas en fait. On n'a pas parlé à la tortue. Ok, avec le shotgun ça aurait été cool. C'est vrai que j'aurais peut-être plus dû mettre le shotgun. Le problème du shotgun en fait c'est que si toutes les projectiles ne touchent pas, ça fait très peu de dégâts. Vous vous croyez dans un pétrin en couleur, pas vrai? Et si je vous disais qu'il était possible de voir ça en nuance de gris? Comme seul un pacifiste pourrait le voir. Vous me croiriez l'état survolté? Je me le demande. On peut mettre le jour noir et blanc, effectivement. Merci la tortue. Esclandre au large. C'est le retour des pirates. Oh, je me souviens! Il est trop beau ce boss. Par contre, comme tous les boss avions, ils peuvent être un peu vénères. Il y a une tortue qui veut en découdre.
On peut la taper. Totalement la taper. Il y a un cheval de mer. C'est impossible. Attendez, mais comment? Ah non, ça fait rien, juste ça, ok. Du coup, ça va. Ok. Vraiment, elle est trop mimi. Toutes ces animations, en plus, elles sont trop trop bien, la sirène. Toi, faut que tu meurs, mais genre vite. Ah, ça, c'est dur, par contre, à éviter. Putain, on est toujours pas en P2. Il faut juste qu'elle me fasse un peu tous ces patterns là, qu'on en finisse, et ça ira. Et ça c'est le plus simple à éviter, donc let's go. Let's go! J'ai oublié ça. Elle met 8 ans à mourir la tortue. C'est abusé. Non, oh, putain, c'est dur le poisson, j'avais oublié. Ah! Elle peut faire ça en même temps, d'accord, très bien. Elle a P2 quand même. Vraiment? Elle était pas loin de la P2. On était que à la moitié du boss. Oh. Ah, c'est bon. Après, elle est pas dure à éviter, donc ça va. Les fantômes, c'est dur, hein. Surtout quand t'as pas de place. Directement faire ça. Hein. Très bien qu'on voit sa P2, en fait. Ok, la P2. Oh non! La pauvre. Ça devient une méduse! Je suis mort. Dommage! C'est trop dur. Ah, mais on peut les fumer en fait. Putain, c'est dur. Ok. Ah oui, c'est vrai, c'est ça la dernière partie. C'est trop stylé. Ah! Ok. Il est facile. Enfin, elle est facile. Il est stylé ce boss en vrai. Au moins, elle fait les fantômes tout de suite. Faut peut-être pas nous les refaire direct. Voyons le bon côté des choses. J'ai pas vu que c'était un poulpe qu'elle avait sur la tête. Putain. Ok, c'est loose. Dommage. On va se suicider tout de suite. Elle a vraiment mis des patterns sales avec, avec les fantômes, là. Ah,
c'est sale de mettre les fantômes là. C'est sale. Oh Bastien, je me fais défoncer par une sirène. Hein? Comment j'ai fait pour éviter ça? J'ai une idée. Je suis probablement trop fort au jeu. Ah! Ah! J'ai pas vu. Elle est un peu dure la sirène. Ah! M'attendez pas. Je vais tirer dans les yeux. Bah il faut hein. Faut viser la tête sinon ça fait rien. Les fantômes c'est le pire pattern. Faut juste penser à l'éviter. Il est vraiment trop beau ce boss. Là elle me fait les fantômes, je pète un câble. Et évidemment qu'elle fait les fantômes. Je me suis pas fait toucher, c'est énorme. Ok. Ta ta ta. Tirer dans les yeux pour éviter d'être pétrifié. Ah ouais? Putain, j'avais pas remarqué ça. C'est une info chat ou c'est une vraie info? On va vérifier ça. Hein. Non, c'est que je sortais de mon super et que j'avais un bout d'invulnérabilité. C'était un faux chat. OMG! Du coup, je regardais le chat et je me suis fait un faux chatter. Putain, c'est trop dur. Comment on fait pour éviter en vrai? Je sais pas. Hein. Faut devenir tout petit et faire un truc. Putain, mais c'est trop dur! Oh, non, mais sérieux? Vous auriez pas pu la tuer? On peut certainement éviter la pétrification. Pétrification? Pétrification? Comment on dit en français? Je sais pas parler, c'est pas ma première langue en fait. Moi je suis pas né ici. Si vous avez des infos du coup, n'hésitez pas. Énorme ça en vrai! Trop bien! C'est vraiment le pire pattern, les fantômes et ça, c'est horrible. A le coup d'utiliser des super pour dodge une attaque qui lui met des dégâts. Je pense que ouais. Le problème c'est qu'en fait le tank... déjà faut charger la super. Et après le temps que j'évalue que l'attaque en fait elle est dure à éviter, bah c'est déjà trop tard. Elle est déjà là. Je me suis déjà mangé l'attaque. Du coup Bastien c'est un peu chaud hein, je t'avoue. Mais ce serait certainement la bonne technique. Si j'avais dormi plus de 4 heures et qu'il était pas 1h du mat. J'ai pas les APM, Bastien. Ce que tu me demandes, c'est de faire une partie de StarCraft. Alors que moi, j'adore le jeu de loi. Forcément, ça pose des soucis, quoi. Ah, le poisson! Là, il va me faire les fantômes. Je la déteste. Ok. C'est long à charger la super, hein, putain. Elle va me refaire les fantômes. C'était sûr.
ça va. En vrai, c'était pas un pattern sympa, ça. Hein. Je sais pas, genre, en finir. Ça, c'est le pattern le plus sympa avec les fantômes, en vrai. Viens, on dit que t'arrêtes. C'est si beau. Ce boss-là est particulièrement beau, en vrai. Hein. Je pense que j'ai dodge trop tôt. Incroyablement beau, ce boss. C'était dur à éviter, ça. Ok. Je l'ai pas mangé, je sais pas comment, mais let's go. Okay. En vrai, meurt, ouais, merci. Incroyable. Trop bien la sirène. Non, en vrai, pire boss du jeu, le dragon, hein, je pense. Genre de loin. On l'entend d'ici. Il nous manque un boss, non? Il y a un dernier boss sur l'île 3 qu'on n'a pas fait. On a extrêmement bien avancé dans le jeu, là. Hein, je vais pas vous mentir. Oh, le train! À fond de train, là. À fond de train, là. Je vais prendre le... Oh, il est horrible, ce boss. Il est aussi bien que horrible. C'est bien pour finir le stream, ce boss, là. Vraiment du gros plaisir, là. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens de ça. Je me rapproche, le bâtard. Vraiment, les parades, c'est un truc... j'ai trop du mal hein, dans le jeu. Putain, merci. Merci le... Il était plus dur dans mes souvenirs, mais trop bien. Trop bien qu'il soit moins dur. Ah ouais, péter un câble à l'époque, le dragon, le boss en Égypte. Je sais plus lequel c'est. Le boss en Égypte, en vrai, je l'ai refait, là. On a battu très rapidement. Le dragon, par contre, c'est vraiment un enfer du début à la fin. C'est horrible. C'est horrible. Ah, c'est vraiment horrible. Je suis mort là. Ouais, je suis mort. C'est même pas la dernière phase. En vrai, on avait été assez loin. Ok. Pour un premier try, c'est pas mal. En vrai. Deg. Putain, vraiment. On en est là dans nos vies. C'est ça qu'on veut léguer à nos enfants. Et nos mieux. Putain. Ah bah super ça. Ça marche. En vrai, c'est assez permissif, ça. Vous vous rendez pas compte. Il est vachement dur, enfin... Enfin, le problème, c'est les parades, quoi. Merci. Merci, la... L'Halloween qui m'a sauvé. Putain, il m'est mis dans cette phase. Parce que je suis acheté au jeu, mais quand même...
pas de chance, hein. S'il te plaît, dis-moi que c'est l'autre qui démarre. Dommage. Ouais, il est dur, la dernière partie, elle est dure. L'orthographe est particulièrement monde, c'est sur la passation, oh, t'inquiète. Je fais plus attention à l'orthographe, moi, sur les chats Twitch. Sauf si vraiment vous faites une faute à chaque mot, mais quand même. Vous savez vous tenir ici, donc ça va. T'inquiète, c'est dur pour tout le monde, l'orthographe. Ok, c'est très bien passé. Assez fier de moi, là. Putain. J'ai piffé sur le fait qu'il allait pas être chiant. Il l'a été, dommage. Quoi ? Je peux être tout cassé. Ok. P2 tank tellement qu'on pourra P1. Surtout que je l'ai pas mal loupé en P1 tout à l'heure en vrai. Putain. Faut tellement perdre zéro temps. Oh, les fantômes c'est horrible en vrai. Beaucoup de choses sont horribles. Oh, tout est horrible. Les fantômes sont horribles. Ils veulent pas. Ok, on a buté un. Je peux l'avoir d'ici, plus ou moins. Ok. Du coup, dernière partie, je sais plus ce que c'est. Je me dis qu'on va se mettre par là. Oh, ça a l'air dur, ça. Oh, ça a l'air dur. J'ai zéro compris. Zéro eu le temps de comprendre. Bon, faut pas se mettre tout en avant. Même pour orthographe, c'est dur orthographe. En vrai, ouais. Putain, vous dites trop des vérités vraies, quoi. Vous avez pensé à faire un groupe Facebook? Mais la dernière partie, c'est un enfer, non? C'est-à-dire, comment on fait? Je vais comprendre. Je pense qu'il faut tirer sur son tire-bouchon, là. Et essayer de comprendre en fonction. Non, fais pas ça, fais pas ça, personne t'aime. Il va le faire. Il va le faire. Après, ça va maintenant. Je le déteste. Putain, c'est pas du tout au bon endroit. Let's go. En vrai, les hitbox de jeu, j'ai quand même envie de leur donner rendez-vous sur le parking du Auchan, quoi. Autant le jeu a plein de qualités, autant c'est Xbox. Vraiment, des fois, hein. C'est Xbox, elles sont un peu pétées. Hein. C'est un peu pété du cul. Hein. C'était pas vraiment sur sa colonne vertébrale, c'est fini toi. Hein. Putain, c'était pas le bon côté, j'ai voulu miser. J'ai voulu croire en ma bonne étoile. J'ai pas cru. J'ai pas cru assez. C'est abusé de se taper la tête du squelette quand tu rebondis contre le truc. J'espère que dans le DLC, il y aura moins de trucs, de problèmes de hitbox comme ça, un peu chiantes, là. Des idées de level design de merde, j'espère qu'il y en aura moins, en vrai. Globalement, hein, de manière globale. Ah ouais, non mais attendez, mais il reste la phase de l'enfer derrière. J'avais oublié cette phase. J'ai oublié qu'il y avait zéro fun à l'aude, là. Ok, très bien. Ça nous arrange.
Ah mais d'accord, c'est la tête du fantôme. Qui fait aussi de office de crâne rose, très bien. Pa, 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 pa. Heureusement que la musique c'est banger aussi. Tu sais que tous les objets roses sont parables dans le jeu? Ouais, je sais. Je sais, je sais. Ta mère. Sauf que les parades, c'est de la merde. Alors, les parades, c'est pas clair. C'est comme toutes les Xbox du jeu, les parades, c'est pas clair, je trouve. Voilà. Je suis franc avec vous. Du coup, je préfère faire le minimum de parades possible parce que une fois sur deux, j'ai l'impression que je me fais Xbox Head. Du coup, les parades, j'ai tendance à éviter. C'est pensé pour les gens qui n'aiment pas le jazz. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, après, je vous avoue que je suis pas particulièrement un grand fan de jazz. Mais là, dans ce contexte-là... Let's go, quoi. En tout cas, j'adorais, là, me faire toucher aussi par... J'adorais me faire toucher, là, par la tête du crâne. En vrai, autant que les mains, ça touche, je comprends, autant la tête du crâne, vraiment... Vraiment, quoi. Cette phase-là, elle est bidon, en fait. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre qu'il y a des bidons. Ok, c'est bon. J'ai quand même eu un peu peur. Et du coup, maintenant, c'est le moment où je meurs parce qu'en fait, j'ai pas de vie. Donc, je sais pas ce qu'il faut faire. Ok. Ok, faut tirer là-dessus et il y a le cœur à toucher derrière. Essayer. La super ? J'ai rien à toucher, ça sert à rien la super. Je veux la garder pour la phase de fin. Je veux le garder pour le dernier truc. Déjà, faudrait que j'arrive avec plus de 1 PV à la fin, sinon ça va être chiant. Parce qu'en fait, je perds tous mes PV à la phase la plus facile, à savoir la phase du squelette. C'est quand même pas de bol. Non mais vraiment, je suis une hache à ce point. Non, ça va. S'il te plaît. Et le jeu est pas sympa. Vas-y. On va revenir au milieu. Très bien. En fait, des fois, il reste beaucoup moins longtemps. C'est abusé. Ah ! J'ai loupé. Pas grave. Ça marche quand même. Et toc ! Oh putain. J'ai un peu misé sur la mauvaise tête. Du coup, j'espère que ça va passer quand même. Ok, c'est bon. La P3, c'est très facile de... J'ai pas le temps de dire ton message en entier, Bastien, mais la P3, c'est très facile, en fait, de focus une tête. Ok, on est à 3 HP sur la dernière partie. Moi, j'y crois à mort, là. Envoyer un bon truc nul dans la gueule, là. Et let's go, là. Ah, putain, les disques reviennent sur le côté, évidemment. Excusez-moi. J'avais oublié les bonnes idées de design de pute, là. J'ai rien vu. Je l'ai pas vu, le disque. Je vous jure que je l'ai pas vu. Je vois rien. Je vois rien. Je l'ai pas vu. Je vois pas les disques. Impossible de voir les disques. Pas étonnant de te mettre dans un coin, de sauter et d'ult pour toucher les deux têtes d'un coup et vite passer à la phase finale. Non, si tu joues comme tu veux. Je vais pas faire le mec relou. Ouais, je vois ce que vous voulez que je fasse. En vrai, c'est vrai que je pourrais faire ça. Mais je pense que j'ai une autre utilité à la super. On va tester ici.
Et vous allez voir, ça a bien pas marché. Non mais je garde ma super, au cas où j'en ai besoin en P10. C'est très important que je garde la super. Vous savez, c'est comme dans les survival horror. Vous n'utilisez jamais de munitions parce que vous avez peur d'en manquer. À la fin du jeu, vous retrouvez avec 150 munitions. Qui ont servi jamais à rien. Bah c'est un peu ça là qui se passe. C'est-à-dire que moi, ma super, je pourrais la claquer. Mais j'ai décidé que non. Vrai gamer joue sans super dans les jeux, ok? Déjà que je joue avec une manette, estimez-vous heureux. C'est sérieux ça? Très bon choix de ma part. Je vais tranquille, je la joue safe. Ok. Je peux te dépêcher de mourir par contre. Merci. Ok. Regardez bien à quel point je vais rater ma super, vous êtes prêts? Clignez pas des yeux, ça va aller extrêmement vite. Je l'ai tellement pas raté, tellement je suis un joueur exceptionnel. Il est trop fort. Aïe. Ça fait mal par contre. Le disque, je l'ai vu. Très bien de te dépêcher de mourir parce que ça commence à être injouable. Let's go. Je suis trop fort. Je vous avais dit que j'avais une utilité à la super, vous avez vu? Bon, je suis B-. Let's go! Loco fantôme! C'est finito! On a fini l'île 3, là. On a tout. Mon arme, l'île 3, enfin. En fait, là, en safe zone avec la super, c'est super quand même fort. Ouais, c'est quand même pas mal fort, en vrai. C'est pas mal fort. Mais heureusement qu'il y a des frames d'invulnérabilité. Et heureusement qu'il y en a quelques-unes après aussi. Mais elle est assez courte après, du coup c'est chaud. Des bisous YouTube. On fait la fin dans la prochaine vidéo.